Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Chevaux, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Digital Congo. Bienvenue dans votre journal dont voici les titres. L'agence congolaise des renseignements ANR, à travers le nouveau département de l'intelligence économique et financière créé à 60, sera désormais mise à contribution pour mener des réflexions profondes sur les questions économiques et financières en République démocratique du Congo. Information livrée à l'issue du Conseil des ministres, présidé vendredi dernier par la première ministre Gilles Souminois. Et du 17 au 19 septembre 2024, Kinshasa va accueillir le 10e congrès des lignons de la presse du Congo UNPC. Comment rendre plus professionnelle la presse congolaise est l'un des enjeux majeurs de ce congrès. Encore une fois, bienvenue dans votre journal. Désormais créé le département de l'intelligence économique et financière au sein de l'Agence nationale de renseignement ANR. Objectif, faire participer ces services stratégiques et étatiques pour mener des réflexions profondes sur les questions économiques et financières en République démocratique du Congo et cela, tant qu'au niveau interne, bilatéral et multilatéral. Ainsi, en a décidé le Conseil des ministres, présidé par le Premier ministre Judith Souminois. Je vous propose de suivre le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Le président de la République est revenu sur la création, par ordonnance numéro 24/073 du 9 août 2024, d'un département d'intelligence économique et financière au sein de l'Agence nationale de renseignement. Cela a été motivé par l'impérieuse nécessité de faire participer activement ces services d'intelligence aux efforts stratégiques pour la réalisation de la croissance économique et du développement intégral de notre pays. Il ne s'agit pas donc, a-t-il précisé, d'une structure devant se substituer aux autres services existants dont les attributions sont fixées par différents textes. À travers ces départements, l'Agence nationale de renseignement est appelée, entre autres, à mener des réflexions profondes sur des questions économiques et financières, tant au niveau interne que dans les cas des relations bilatérales et multilatérales de la République démocratique du Congo avec d'autres pays et partenaires. Ces départements, au-delà de son rôle d'enquêter, il aura également la tâche d'anticiper et d'alerter afin de nous rendre plus compétitifs avec les autres nations. Le président de la République a insisté pour que les interventions de ces départements soient fondées essentiellement sur des raisons sécuritaires et se dérouler de manière à ne pas énerver l'environnement des affaires en République démocratique du Congo et à éviter toute collision avec les autres services intervenant dans ces secteurs. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a été engagé ainsi qu'il est responsable de l'ANR de tout mettre en œuvre pour veiller scrupuleusement à cette instruction. Reste toujours au niveau du conseil des ministres, enlèvement des civils à Kinshasa, à bord des petites voitures communément appelées Ketch. Les différentes annonces sont fausses car montées de toutes pièces pour discréditer le gouvernement congolais, conclut le conseil des ministres qui cite les rapports présentés par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. Je vous propose encore une fois de suivre le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. En ce qui concerne les enlèvements dans la ville de Kinshasa, la réunion sécuritaire tenue à son cabinet à propos a conclu que les différentes annonces des cas d'enlèvement sont montées de toutes pièces dans les buts de discréditer le gouvernement, car à chaque fois après vérification, les faits s'avèrent sans fondement. Une vigilance accrue au niveau de service a été demandée, y compris pour identifier les propagateurs de ces fausses nouvelles. Par ailleurs, il a annoncé le lancement imminent
pour la toute première fois depuis la promulgation de la loi organique numéro 11/013 du 1er août 2013 portant organisation et fonctionnement de la police nationale, les travaux de la session ordinaire du Conseil supérieur de la police qui va permettre à ce que toutes les questions en rapport avec la redynamisation de l'exercice de mission de notre police y soient examinées. Au sujet des tristes événements des Kilois dans le Haut-Katanga, consécutifs à l'incursion des Maïmaï Fokat, le gouvernement va envoyer diligemment une mission comprenant les délégués de tous les services pour faire la lumière sur ces événements. Une enquête a d'ores et déjà été ouverte. Les questions de la coopération policière internationale, les sinistres et catastrophes ainsi que la situation aux frontières ont également fait l'objet du rapport présenté par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Et justement, cette version du gouvernement vient de créer la polémique à Kinshasa. En réaction, la société civile appelle le gouvernement de mettre les bouchées doubles avec des mesures robustes pour en finir avec ce phénomène au lieu de nier. Je vous propose de suivre Michiki Benjamin, qui est membre de la société civile, joint au téléphone par John Zati. Nous, comme société civile, et c'est chaque jour que nous observons des cas de kidnapping, des cas d'enlèvement, et surtout aussi, c'est tout le monde qui connaît le phénomène Kuluna. Le phénomène Kuluna a une dimension très agrandissante au niveau de la ville de Kinshasa. Et ça, c'est à Kinshasa, mais maintenant, à l'intérieur du pays, c'est compliqué, compliqué. Je pense que le gouvernement devrait prendre ses responsabilités. Il ne devrait pas fuir ses responsabilités. Il doit vraiment prendre toutes les précautions pour que la ville de Kinshasa soit sécurisée, en particulier, en général, l'Est ou à l'extérieur ou à l'intérieur du pays, en général. On ne peut pas fuir ses responsabilités. Nous devons mettre en place des mécanismes pour protéger cette population et de qu'on néglige de telles situations dans la capitale. Vous suivez la ville de Goma, c'est chaque jour qu'on dit à Goma, et en pleine journée, on doit mettre fin au phénomène Kuluna. On doit mettre fin aux théories que la population est en train de traverser. Et le concert humanitaire de l'artiste Fally Ipupa s'est transformé hier à Goma en jeu de projectiles, alors que la star de la rumba congolaise était attendue pour une production entre 14h et 20h heure locale. Les organisateurs ont géré ce retard et pendant 5 heures de temps avant d'annoncer l'absence de Fally Ipupa. Du coup, tous ces fans qui étaient sur place étaient en colère, des casses, même des vols, ont été enregistrés et suivaient ce reportage. Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, un concert humanitaire qui se transforme malheureusement en jet de projectiles au village Ioussi. L'artiste musicien Fally Ipupa était attendu pour une production entre 14h et 20h vendredi 16 août 2024. Les organisateurs ont dû gérer son retard pendant 5 heures du temps avant d'annoncer tristement l'absence de la star. À la tombée de la nuit, il était déjà 18h34 heure locale à Goma. Ce message ne plaît pas à des milliers de fanatiques qui étaient déjà installés depuis plusieurs heures. En colère et après avoir payé des billets de 5 et 20 dollars américains, les fanatiques manifestent leur mécontentement en scandant des chansons hostiles à l'égard de Fally Ipupa et des organisateurs de cette production ratée. D'après les témoins sur place, il y a eu des casses et certains fanatiques ont même emporté des chaises, y compris des casiers de bière, une grande perte pour certains commerçants de la place. Il a fallu l'intervention de la police nationale congolaise et de quelques éléments de l'armée pour disperser les manifestants. Pas de morts ni de blessés, d'après les organisateurs et les sources officielles. Dans la soirée, l'un des organisateurs a présenté des excuses au public en qualifiant ce concert d'événement improvisé. Il a promis, dans un message diffusé dans les réseaux sociaux, de rembourser tout celui qui possède un billet officiel de ce concert, puisque l'activité n'a pas eu lieu comme prévu. Fally Ipupa, de son côté, ne s'est pas encore prononcé et poursuivrait cependant sa tournée avec un autre concert dans la soirée de ce samedi à Bukavu, province du Sud Kivu. Et déterminé à
entre plus professionnels, la presse congolaise, l'Union de la presse du Congo, l'UNPC, annonce la tenue de son 10e congrès ordinaire prévu du 17 au 19 septembre prochain à Kinshasa. Information livrée au cours de points de presse animé hier au siège de l'UNPC. Ce 10e congrès sera sanctionné par l'élection des nouveaux dirigeants de cette structure. Suivez ce reportage avec Grâce Ngitukulu et Papi Domingo. Vu l'ordonnance loi numéro 81/012 du 2 avril 1981 portant statut des journalistes en République démocratique du Congo, vu l'article 24 des statuts de l'Union nationale de la presse du Congo qui stipule que les membres du comité directeur ont un mandat de 4 ans renouvelable une fois et qu'en vertu de cet article, le mandat des membres du comité directeur élu lors du congrès ordinaire tenu à Mwanga au Congo central du 5 au 7 octobre 2020 arrive à terme le 7 octobre 2024. Conformément à l'article 10 du règlement intérieur de l'Union nationale de la presse du Congo, et consécutivement aux recommandations des États généraux de la communication et médias, il est convoqué ces jours le 10e congrès ordinaire de l'Union nationale de la presse du Congo sous l'impulsion du bureau exécutif après avis du comité directeur lors de la réunion stratégique tenue au centre culturel Boboto du 19 au 21 décembre 2022 à Kinshasa. Ordre du jour, rapport des activités de l'Union. 2. Amendement et adoption des textes statutaires et réglementaires de l'Union. 3. Élection des animateurs de tous les organes de l'Union. 4. Installation du comité directeur et enfin 5 divers. Lieu, Kinshasa. Date du 17 au 19 septembre 2024. Ainsi fait à Kinshasa le 16 août 2024. Pour le comité directeur, Jisbi Zebia Wembulu, le secrétaire général, Chabani Modeste Binsweni, le président AI. Je vous remercie. Et parlons religion dans cette édition accompagnée d'une annonce apostolique. Le cardinal Fridolin Ambongo est arrivé depuis hier vendredi à Uvira dans le sud Kivu où il va participer à la messe des béatifications des 4 martyrs du diocèse d'Uvira tués en 1964 lors de la rébellion mouleriste dont 2 à Baraka et des autres à Fizi. À la tête d'une dizaine d'évêques, le cardinal Fridolin Ambongo va présider la célébration eucharistique en la cathédrale Saint-Paul de Viracivé. Tout enfin prêt pour ce grand événement de l'Église catholique, la béatification des 4 martyrs de Baraka et Fizi, ont confirmé plusieurs sources de l'organisation de cet événement. Depuis 24 heures, l'arsenal sécuritaire a été renforcé avec la mobilisation des militaires et policiers, aussi d'autres agents de sécurité sur les différents points stratégiques de la ville. Les forces de l'ordre sont visibles aussi aux alentours de l'économie générale du diocèse d'Uvira, à la cathédrale Saint-Paul, aussi à l'évêché. Des sources proches de l'organisation de cet événement informent qu'une ceinture de sécurité sera observée à partir de la place Monument à Kimanga, couvrant ainsi l'enceinte de la cathédrale où le représentant du pape va dire la messe de ce dimanche. Il est prévu de fouiller des mallettes, les sacs à main et d'autres objets avant d'accéder à l'endroit prévu pour la messe, ajoutent nos sources. Outre le cardinal Fridolin Ambongo, représentant du pape François à la cérémonie, ainsi que les nonces apostoliques en République démocratique du Congo qui sont arrivés dans la ville depuis la soirée de ce vendredi, les gouverneurs des provinces du Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi et son vice, sont arrivés à Uvira ce samedi pour prendre part également à la cérémonie. Notez, d'autres grandes personnalités internationales et internationales sont attendues à la fête de la béatification ce dimanche 18 août 2024. Jean-Bertimant Seloulat, Uvira, Port Digital Congo.
Et allons-nous au Soudan pour clore ce journal où un nouveau massacre de civils a été enregistré à Djaljini, au sud de la capitale Khartoum. Ce forfait serait attribué aux éléments de la force et de soutien avec John Zatzi. D'après les témoins, c'est plus de 80 personnes qui ont été tuées et plusieurs dizaines de blessés dans le village de Djaljini, au sud-est du Soudan. Ce village a été attaqué à deux reprises ces derniers jours. Attaque imputée aux paramilitaires soudanais, des forces de soutien rapide, des survivants réfugiés dans la brousse ont déclaré que cette attaque visait l'enlèvement des jeunes femmes du village. Face à la résistance des habitants armés de simples bâtons, les éléments des forces de soutien rapide ont réagi de manière totalement disproportionnée. En provoquant un drame, ils ont tiré à bout portant sur les habitations. Un forfait que ces paramilitaires soudanais auraient même célébré avec faste, car ils ont exposé dans les réseaux sociaux des engins agricoles qu'ils ont pillés. Dans les villages de Sennar, les localités de l'état de Sennar, tombées aux mains de ces forces de soutien rapide au mois de juin dernier, et ayant entraîné le déplacement de plus de 720 000 personnes d'après l'OMS. Les rapports des Nations Unies indiquent que plusieurs exactions sexuelles ont été commises par ces forces de soutien rapide du Soudan, utilisant le viol comme une arme de guerre. Cette attaque au village de Djaljini s'est produite alors qu'il y a des pourparlers à Genève pour un cessez-le-feu au Soudan. La délégation de ces paramilitaires, des forces de soutien rapide, est bien présente, mais au quatrième jour, le gouvernement soudanais ou même son armée ont été absents. Voilà qui rend l'issue de ce pourparler incertaine. Et ça n'est fini, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été de nous retrouver demain matin à partir de 9h. RDQ, Chassa, John Zatzi. Quant à moi, je vous retrouve demain à la même heure avec le même plaisir de vous informer. Bonne soirée sabbatique accompagnée de votre chaîne. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.